Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et il est l'heure de votre émission L'Invité de la Semaine. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur La Voix Citoyenne pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire L'Invité de la Semaine. Cette semaine, Radio Liberté déroule le tapis à l'un des spécialistes de l'histoire de l'enseignement au Burkina Faso, Maxime Compaoré. Monsieur Compaoré est maître de recherche au département sciences de l'éducation à l'Institut des sciences des sociétés, un institut rattaché au Centre national de recherche scientifique et technologie CNRST. Il enseigne également l'histoire de l'éducation dans les universités publiques telles que celle Ouara 1, professeur Joseph Kizerbo, et Norbert Zongo de Kourougou. Maxime Compaoré est par ailleurs le coordonnateur de l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso, en abrégé AREB. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur l'école burkinabé. Il a publié à ce titre, sous sa direction et celle de Félix Compaoré, Marie-France Lange et Marc Pilon, l'ouvrage intitulé « La question éducative au Burkina Faso, regard pluriel ». Maxime Compaoré, bonjour à vous. Bonjour. Tiona Sanogo est à la technique. Présentation à Tiana Serge Houlon. On va s'arrêter un peu sur vous, monsieur Compaoré. Déjà, en tant que chercheur, quel est le quotidien du chercheur que vous êtes au niveau de l'Institut des sciences des sociétés? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier pour cette invitation qui nous a été adressée. Je crois que c'est une tribune qui nous permet aussi d'échanger autour des activités de recherche que nous menons. Alors, je commencerai par dire que le chercheur, il n'a pas en fait d'horaire fixe en tant que tel. C'est-à-dire que le chercheur que je suis, assez souvent en tout cas, nous sommes matinales, on se réveille très tôt, on suit les actualités, ensuite, on se déporte au bureau. Là, une des activités que nous menons, c'est quand même prendre le pouls de l'actualité à travers, les correspondances que nous recevons, à travers Internet et tout ça. Ça nous permet quand même d'être au courant de ce qui se passe à travers le monde. Ensuite, c'est le quotidien, on se remet sur nos dossiers. En fait, que nous avons, c'est essentiellement, orienté vers la production scientifique, des lectures essentiellement, mais également des dépouillements, d'enquêtes et également des dossiers sur lesquels nous travaillons quotidiennement. Alors, voilà. Vous personnellement, comment vous vous êtes retrouvé au niveau de l'Institut des sciences des sociétés? Quel a été votre parcours jusqu'à l'INS? C'est un parcours assez long, je vais essayer de me résumer. Bien sûr, comme tout élève burkinabé, j'ai fait mon école primaire dans le quartier où j'habitais, à Colonaba, ensuite le secondaire au petit séminaire de Pavré et puis à l'interséminaire de Kosogin. Après, je me suis retrouvé à l'université de Ouagadougou, au département d'histoire et archéologie. Donc, j'ai fait une licence et une maîtrise à l'université de Ouaga. À l'époque, c'était Ouaga simple, il n'y avait pas Joseph Kizerbo. Et après la maîtrise, nous avons bénéficié justement d'une bourse pour continuer nos études à Paris 7. Donc, à l'université Paris 7, nous avons eu à faire un DEA en histoire économique et sociale. DEA, diplôme d'études approfondies. Voilà, diplôme d'études dans approfondies. Dans le système classique. Essentiellement, avant le système LMD. Et ensuite, je me suis lancé dans la rédaction d'une thèse que j'ai bouclée, effectivement, en juin 1995. Donc, immédiatement après la thèse, je suis rentré. Et justement, j'avais postulé aussi bien à l'Université de Ouaga qu'au CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Et c'est donc à ce niveau que j'ai été recruté. Et quand on nous recrute comme ça, on nous recrute comme des enseignants du secondaire et affectés à. Donc, j'ai été affecté au CNRST. C'est comme ça que j'ai intégré la première équipe de recherche au niveau du CNRST. Et au niveau de ce qu'on appelait à l'époque l'IRCH, ce qui était l'institut qui s'occupait des sciences humaines et sociales. Alors, vous avez dit tantôt que vous avez fait le séminaire. Est-ce que vous répondez un peu à cette formule populaire qui signifie que M. Compaoré a été un prêtre raté? Non, c'est pas comme ça. On ne rate jamais quelque chose. Ce sont des réorientations qui surviennent dans le parcours d'un individu. Bon, chacun en fonction de ce qu'il a comme objectif. Et aussi comme aptitude, justement, décide de faire ceci ou de faire cela. Donc, ce n'est pas du tout une question de rater ceci ou de rater cela. Vous n'avez pas nourri, vous n'avez pas eu cette vocation. Si, j'avais eu la vocation à un moment donné.
Mais au cours du parcours, effectivement, j'ai changé d'orientation. Vous avez dit que vous avez postulé à la fin de vos études pour être enseignant à l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, l'université Ouagadougou est un professeur Joseph Kidero. C'est ça. Et au CNRST, finalement, c'est le CNRST qui vous a appelé. Dites-nous déjà, quelle est la différence entre le fait de se retrouver au CNRST et le fait d'être dans une université? Ok. Alors, il faut peut-être rappeler qu'au niveau du Burkina Faso, le système universitaire et le système de recherche sont deux choses différentes, mais qui se complètent. Au niveau des universités, vous avez des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire leur métier principal, c'est l'enseignement. Ils font de la recherche également pour nourrir les enseignements. Et vous avez le système de recherche aussi, qui est incarné par le Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST, avec ses instituts de recherche qui couvrent les secteurs principaux de développement du Burkina Faso. Et donc, à ce niveau, vous avez des chercheurs. Simplement. Qui ont effectivement comme tâche de faire de la recherche scientifique. Et dans la pratique, il est clair que la majeure partie des chercheurs interviennent dans les universités. Parce que c'est quand même une tribune qui permet de mettre à l'épreuve un peu les résultats de recherche que nous trouvons. Et à ce niveau, on ne nous appelle pas des chercheurs enseignants, mais c'est la réalité actuellement. D'autant plus que dans nos textes, nous avons obligation d'intervenir aussi dans l'enseignement supérieur actuellement. Mais pas à la même proportion que les enseignants-chercheurs. Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est un système aussi qui a ses avantages. Et nous avons vu beaucoup de pays qui sont venus donc pour s'inspirer de ce modèle-là, qui est original et qui permet effectivement d'attribuer des prérogatives spécifiques, soit à l'enseignement supérieur, soit strictement à la recherche scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'on est chercheur dans le contexte burkinabé, où on parle d'insuffisance, sinon absence totale de financement de la recherche, ce n'est pas un peu fait du folklore? On ne voit pas trop l'utilité. Non, c'est vrai que vous touchez à un point très important. La recherche aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas financée à la hauteur souhaitée. Je dis bien à la hauteur souhaitée. L'État fait ce qu'il peut faire, mais vous verrez que dans les instituts de recherche, les structures de recherche, les activités qui sont menées sont financées essentiellement à travers des projets et des programmes que les chercheurs eux-mêmes vont chercher. Vous devenez, en quelque sorte, comme vous commandez les financements. On ne commande pas, on soumissionne. Il y a parfois des appels à projets. Et justement, on se met en équipe pour y postuler. Ça nous permet effectivement d'accéder à un certain nombre de ressources pour la réalisation de nos activités. Cela dit, il y a quand même un biais à ce niveau parce que, assez souvent, vous avez des domaines qui ne sont pas suffisamment financés. Vous prenez les sciences humaines et sociales, c'est vraiment le parent pauvre de la recherche scientifique, parce qu'il y a très très peu d'appels à projets concernant ces domaines-là. Alors, on est tenté même d'interpeller l'État, parce que c'est beaucoup plus des domaines de souveraineté nationale, mais assez souvent, assez régulièrement, la compétitivité des chercheurs leur permet d'accéder à un certain nombre de ressources pour réaliser des recherches dont les résultats sont effectivement mis à la disposition donc du grand public. Est-ce que la volonté politique qui est souvent professée à travers, par exemple, la création d'un ministère de la recherche scientifique, c'est quelque chose qui se matérialise sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez en tant que chercheur à travers le financement justement de vos activités de recherche, de vos projets de recherche? Oui. Je crois qu'entre 2011 et 2016, le Burkina a expérimenté la création d'un ministère vraiment destiné spécialement à la recherche scientifique et à l'innovation. L'idée étant que tous les pays qui ont émergé se sont appuyés sur la recherche scientifique et l'innovation. Et ça a été une façon d'interpeller aussi les chercheurs pour qu'ils puissent accroître leur contribution au développement national. Et l'expérience a été vécue. Je crois que les résultats sont là. Et ce qui, est-ce que ça a permis de résoudre de façon structurelle le problème? Parce qu'on a vu de par le passé, par exemple, le CNRST qui avait même des problèmes pour payer ses factures d'électricité. On oui. avait des saisons d'arriérés. Est-ce que ce sont des situations qui ne sont plus vécues? Non, parce qu'en réalité, c'est quoi? Il faut reconnaître que lorsque vous êtes érigé en ministère,
Le premier avantage que vous avez, c'est déjà d'avoir un budget qui vous est octroyé. Donc, le reste, maintenant, vous incombe. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous organisiez pour que l'utilisation de ces ressources-là puisse être le plus profitable possible à l'ensemble donc, de cette communauté scientifique. Alors, avec ce qui s'est passé, nous avons vu que la recherche scientifique au niveau du Burkina Faso a été restructurée, mieux cadrée à travers des textes. Nous avons produit à l'époque ce qu'on a appelé la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Et cette loi a contribué à participer à mieux orienter les attentes justement des populations par rapport à la recherche scientifique. Et le lien qui a été établi entre la recherche scientifique et le développement a permis effectivement d'aboutir à des résultats très très intéressants. J'en parle avec aisance, d'autant plus que j'ai participé à cette initiative. Nous avons pu effectivement dans les différents secteurs de la recherche scientifique lancer un certain dynamisme qui permet aujourd'hui aux chercheurs et aux bénéficiaires de travailler ensemble à travers donc, la mise en place d'un certain nombre de réseaux qui fonctionnent admirablement bien aujourd'hui. Maxime Compaoré, vous êtes coordinateur de l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso, AREF. Déjà, pourquoi la création de cette structure-là ? Alors, il faut remonter jusqu'à l'année 1999 pour trouver justement les origines de cet atelier de recherche. Ça a été l'initiative de plusieurs enseignants, chercheurs et également des étudiants et qui se sont mis ensemble pour partager déjà ce que chacun faisait comme activité. Et à l'époque, je me souviens que ça a été une initiative très suivie. Nous nous sommes dit que nous travaillons sur des questions d'éducation, mais on ne se connaissait pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ignorait mutuellement ce que les uns et les autres faisaient. Et le fait de mettre en place cet atelier nous a permis d'abord de nous connaître entre nous, de savoir ce que chacun fait et de partager en réalité les résultats de nos recherches avec les utilisateurs. Quand je dis utilisateurs, vous avez les étudiants, par exemple, qui utilisent nos résultats de la recherche. Vous avez les ONG, les associations qui sont sur le terrain, qui travaillent sur des thématiques parfois que nous abordons dans nos recherches. Mais le gros utilisateur des résultats de nos recherches, c'est l'État. C'est l'État. Maintenant, l'État ne se réfère pas systématiquement aux résultats de recherche pour orienter ses politiques. Et c'est tout notre combat réside à ce niveau-là. Nous travaillons à établir justement cette synergie entre les chercheurs et les décideurs, mais également entre les chercheurs et les utilisateurs, les autres utilisateurs des résultats de la recherche. C'est vraiment une ambition très grande. Depuis 1999, nous y travaillons. Et je crois que les résultats présentés aujourd'hui par l'atelier de recherche au Burkina permettent de dire que nous sommes sur le bon chemin. Les activités de cet atelier, mais l'activité justement atelier mensuel qui permet à des chercheurs de venir présenter quelque chose. Ça peut être des résultats de recherche, ça peut être des résultats d'une pratique terrain, et à travers cela nous constatons un intérêt manifeste pour suivre justement les séminaires de l'atelier de recherche. Donc l'initiative de la création de la REF, ce n'était pas un appel d'air seulement qu'aux partenaires techniques et financiers. Pas du tout. Parce qu'il y avait certainement pour que les financements. Non. Au départ, nous avons compté sur nos propres moyens, nos propres ressources. C'est-à-dire que les structures qui ont porté le projet. Et vous avez l'Université de Ouaga, à travers le logis aussi. Et vous avez l'Institut de recherche qui s'appelait à l'époque une salle. Est-ce que entre vos multiples activités sur le terrain, les missions, les consultations aussi, est-ce que vous avez le temps pour au moins consentir à respecter un peu ces 30%? Parce que c'est un peu souvent le reproche qu'on fait aux enseignants, aux universitaires qui n'ont pas suffisamment le temps, qui passent le temps à chercher la vacation, les consultations, alors, au détriment de leurs fonctions habituelles. Non, à ce niveau, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Nous donnons même plus que les 30%
assez souvent. Dans votre cas? Eh bien oui. Parce que pour certains, ce n'est pas toujours évident. Non, en fait, ce sont les sollicitations. Si vous êtes sollicité, par exemple, pour dispenser des cours, pour encadrer des étudiants, oui. Mais vous n'ignorez pas aussi que tout le monde, tous les chercheurs n'ont pas cette facilité justement à intégrer des équipes de recherche et des équipes d'enseignement au niveau des universités. Donc, parfois, nous sommes obligés de renoncer même à certaines sollicitations. Ouais. Cela dit, la question des consultants, la consultance est là. C'est de l'expertise. Hein. Moi, je crois qu'il ne faut pas voir ça du mauvais côté. Mais quand ça devient la course effrénée aux consultations. Ah, voilà. Non, il faut éviter que la consultation prenne le pas justement sur l'activité principale, qui est la recherche pour le développement, et c'est la recherche. En principe, on est payé pour ça, comme on dirait certains. On est payé pour faire de la recherche. Et pourtant, certains abandonnent comme ça, c'est déjà du garanti, on préfère chercher les consultations. C'est ce qui se dit dans les établissements supérieurs. Non, il ne faut pas généraliser. Je ne défends pas tous les chercheurs, mais en parlant de la majorité des cas, vous verrez quand même que ce sont des gens qui sont suffisamment consciencieux et qui renoncent même à certaines consultations, à certaines sollicitations, parce que, justement, ils ont des engagements nationaux à respecter. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez bien que vous êtes sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission l'invité de la semaine. Cette semaine, le chercheur Maxime Compaoré est notre invité. Il est l'un des spécialistes de l'histoire de l'enseignement au Burkina Faso. Il est maître de recherche au département de sciences de l'éducation à l'Institut des sciences des sociétés. Il est par ailleurs le coordinateur de l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso. On va s'arrêter longuement sur cette activité de recherche au niveau de la REP. Depuis le 1er octobre, le Burkina est dans la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves ont repris le chemin de l'école, que ce soit au préscolaire, au primaire, au post-primaire avec les réformes et le secondaire. Déjà, au niveau du supérieur, on ne sait pas dans quelle année universitaire nous sommes. Vous qui intervenez, est-ce que vous avez une idée dans quelle année universitaire nous sommes au niveau des universités publiques du Burkina? Bon, faut pas généraliser. On a en fait la difficulté, les problèmes rencontrés par les universités ne sont pas les mêmes. Vous avez des universités ou pour être plus précis, vous avez des UFR qui fonctionnent normalement. Mais normalement, c'est toute l'entité qui doit fonctionner normalement, c'est monsieur Compaoré. C'est ce qui est souhaité. Maintenant, quand vous rentrez à l'intérieur, si ce sont des unités de formation de recherche, est-ce qu'il n'y a pas là des questions à se poser? Le grand problème qui est là, il est connu. Je crois qu'il y a un dysfonctionnement qui est là et auquel il faut trouver des solutions. Il y a des efforts qui sont actuellement en cours pour tenter effectivement de résoudre ce problème-là, de rattraper ce qui peut l'être. Parce qu'un retard, hein, c'est toujours difficile de rattraper un retard. Alors, pour le cas de l'université de Ouaga, où j'interviens, à ce niveau, il y a des efforts qui sont là. On fait l'effort pour, par exemple, que les retards qui sont là puissent être absorbés au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on évite de créer de nouveaux retards. C'est ce qui fait que au niveau des nouveaux bacheliers, par exemple, on les accepte, on les prend en compte au fur et à mesure, en espérant que, justement, à leur niveau, il n'y aurait pas autant de retard que pour leurs aînés. Est-ce que, justement, dans cette idée de rattraper le retard, on n'en fait pas une certaine obsession, une certaine fixation? On a eu cette semaine les étudiants en pharmacie qui déplorent un peu la programmation des devoirs. Dizaine de devoirs programmés en l'espace de 2 semaines. Oui, vous savez que quand il y a un dysfonctionnement de ce genre-là, ça demande effectivement la contribution de tous les acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de façon volontaire qu'on leur impose, en fait, tout ça. Un calendrier d'examen. Aussi serré. Non. En réalité, je crois que les enseignants jouent leur rôle. Il faut que les étudiants aussi acceptent de jouer le leur. Est-ce que sur le plan pédagogique aussi, ça ne pose pas un problème? Ça dépend. Est-ce que vouloir rattraper un retard, et, quitte à ce qu'on sacrifie peut-être l'efficacité ou... Non. Je crois que quand, de façon académique, de façon pédagogique, une équipe d'enseignants propose un chronogramme, c'est-à-dire que c'est fait quand même en tenant compte d'un certain nombre de principes, c'est-à-dire qu'on ne les brime pas. Il y a un minimum qui est respecté et on leur demande aussi de faire un effort.
Vous voyez, à ce niveau, je crois que chacun doit consentir des sacrifices pour permettre au système de retrouver effectivement, si vous voulez, son efficacité d'antan. Voilà. Donc, je dis que tous les acteurs doivent contribuer à la résolution de ce problème-là. Ce n'est pas facile. Ça demande des sacrifices. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, sur la question éducative, on va s'arrêter sur ces aspects-là. Déjà, une question qui peut sembler un peu générale. Quelle est l'évolution de l'école burkinabé? Alors, l'école burkinabé aujourd'hui, effectivement, on peut l'analyser sous plusieurs angles. Il y a des faits saillants qui sont là et qui sont assez visibles. C'est-à-dire que nous avons affaire à une école qui est assez populaire. C'est-à-dire que le gouvernement ou les gouvernements se sont acharnés à travailler pour que justement nous puissions atteindre un certain nombre d'indicateurs fixés au plan mondial. C'est-à-dire, j'évoque ici la question donc de l'éducation pour tous. C'est un objectif à atteindre. Aujourd'hui, je crois que le Burkina a fait de grands pas pour ce qui concerne surtout l'offre d'éducation. C'est-à-dire que nous scolarisons actuellement beaucoup d'enfants. Nous avons un taux de scolarisation brut qui avoisine les 88%. C'est remarquable. Sous un autre angle, l'analyse aussi peut faire ressortir des insuffisances qui sont là et qui méritent d'être justement comblées. C'est essentiellement la question de la qualité de l'éducation. Notre système reçoit énormément d'élèves, mais nous n'arrivons pas effectivement à assurer la réussite à tous les entrants dans ce système-là. C'est-à-dire que les produits qui sortent du système éducatif ne sont pas actuellement compétitifs. Quand vous prenez un élève aujourd'hui qui finit l'école primaire et qui se retrouve en classe de sixième, les enseignants du secondaire se plaignent parce que effectivement, ils estiment que ces élèves-là n'ont pas justement les dispositions nécessaires pour affronter le cycle secondaire. Alors, l'école telle que nous l'avons est un héritage colonial. On va aller par étapes. Déjà, à quoi ressemblait un peu cette école à la période coloniale? Bon, l'école coloniale, je crois qu'il faut bien resituer les choses. Chaque type d'école correspond effectivement à des objectifs donc, qui sont donc identifiés. L'école coloniale avait ses objectifs. Des objectifs parfois visibles et d'autres cachés. Quels étaient ces objectifs-là pendant la période coloniale? Bon, pendant la période coloniale, un des premiers objectifs était quand même de civiliser, effectivement, d'apporter la civilisation à travers l'école. Également, un des objectifs était d'apporter, si vous voulez, la langue, de donner une place prépondérante à la langue française qui devait se substituer aux langues nationales. Et également, l'école coloniale a acculturé les enfants qui rentraient dans ce système. C'est-à-dire qu'on tentait à travers l'école de leur donner d'autres valeurs. Des valeurs qui étaient censées être supérieures aux valeurs des sociétés africaines. Donc, au regard de cela, l'école coloniale n'avait pas pour ambition de s'étendre à tous les enfants de la Haute-Volta, par exemple. Non, elle était donc sélective. On sélectionnait ceux qui avaient les aptitudes pour donc supporter l'école, les contraintes de l'école coloniale. La sélection était donc à tous les niveaux donc, du système. En réalité, ceux qui arrivaient au bout de la chaîne étaient vraiment des produits résistants, des produits bien formés et
Généralement, il n'y avait pas cette dimension locale. C'est-à-dire que la colonisation avait conçu l'école qui devait se dérouler à travers d'abord, justement, depuis donc, l'école, depuis le village, jusqu'au chef-lieu de la colonie. Et ensuite, les plus performants devaient même rejoindre, justement, le chef-lieu de la fédération qui était là, donc l'AOF. L'Afrique occidentale française. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivaient effectivement à sortir de ce système-là, vous aviez des éléments solidement formés. Ils n'étaient pas nombreux. Et justement, le système colonial formait en fonction de ses besoins. C'est vrai qu'il n'arrivait pas à couvrir tous les besoins, mais l'essentiel, en tout cas, était assuré par les sortants du système. Et par moments, je suis même tenté de dire à certains de mes étudiants que dans ce système, il n'y avait pas de déchets. Même ceux qui décrochaient entre-temps étaient... En comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, étaient récupérés progressivement parce que déjà, ils pouvaient échanger avec le colonisateur. Ah, et ça faisait déjà un atout. Alors, à partir de 1960, ouais. Rapidement, alors, comment ça s'est passé un peu? Après 60, bien sûr, il y a une sorte d'appropriation de notre système. Bien sûr, chaque État a essayé de se donner des objectifs avec quand même un cadrage général. Faut pas perdre cela de vue. Parce que il y avait quand même l'UNESCO qui était là, qui cadrait un peu les choses, et qui facilitait, par exemple, l'adaptation de certains textes, également la mise en place d'un certain nombre de réformes, et qui permettait au système éducatif de prendre en compte certaines réalités au niveau national. Donc, des efforts ont été faits, et ce que je peux dire après 60, au niveau du système scolaire, il y a une évolution qui va beaucoup plus vers la démocratisation donc de l'école, c'est-à-dire une plus grande extension de l'école à travers donc le pays. Et, au départ, on a constaté que les écoles ont commencé au niveau donc des grands centres. Mais maintenant, il y a des efforts qui ont été fournis pour étendre donc l'activité scolaire dans la plupart des localités du pays. Et ça a été soutenu et même orienté par les politiques au plan international qui visaient donc l'extension de l'éducation pour tous. Alors, on ne peut pas dire que nous y sommes totalement, mais les efforts sont là et cet accroissement des effectifs aussi ne s'est pas fait sans conséquences. Qui dit accroissement des effectifs au niveau donc des écoles fait appel aussi à un accroissement des effectifs dans le corps enseignant. Et au fur et à mesure, l'État s'est retrouvé face à une grosse machine très très difficile à faire bouger. Alors, on a constaté que le plus souvent, on se contente donc de gérer le quotidien, c'est-à-dire que la question de la qualité va se poser de plus en plus. La préoccupation principale sera quel est le taux de scolarisation du pays. On met beaucoup plus l'accent sur la quantité que la qualité. Voilà. Et effectivement, sur le plan de la quantité, je vous ai dit, hein, 88%, c'est vraiment remarquable. Pour un pays qui n'avait que 6% de taux de scolarisation en 1960, aujourd'hui, on se retrouve avec 88%. Bon, c'est remarquable. Mais, à l'intérieur, ça cache également des disparités qui sont là et qui méritent, justement, qu'on puisse s'intéresser à ce système éducatif-là.
Des disparités, surtout dans certaines parties du pays. Oui, disparités régionales, ça existe toujours. Pas forcément du fait de l'administration ou du gouvernement, mais vous avez des localités où il existe des écoles construites, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'élèves, où il y a très peu d'élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre n'est pas conforme justement à la demande des populations. On n'a pas tenu compte de certains aspects socioculturels. Voilà. Et ça, je crois que ça fait partie du petit gap qui reste pour couvrir cette éducation pour tous. Il faudra que l'on puisse s'intéresser à ce que moi j'appelle les demandes spécifiques d'éducation. Et on ne devrait pas avoir peur de s'engager dans ce chemin parce que c'est vrai qu'il est coûteux. Ça demande des dispositions assez particulières. Quand vous prenez, par exemple, des populations nomades ou des populations avec des besoins spécifiques, on peut rencontrer aussi une catégorie de populations, par exemple, les enfants qui ont des handicaps. C'est sensible, mais il faut effectivement s'y préparer pour arriver à trouver des solutions à ce niveau-là. Donc, des besoins spécifiques et un système éducatif actuellement avec un nombre impressionnant d'acteurs et la coordination aussi pose un problème. Vous êtes bien sûr à Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission l'invité de la semaine. Cette semaine, Maxime Compaoré, maître de recherche à l'Institut des sciences et sociétés, est notre invité. Par ailleurs, le coordinateur de l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso. Toujours sur la question de la recherche, vous avez parlé tantôt de la multiplicité des acteurs. Sur cette volonté de permettre l'éducation pour tous. Certains observateurs estiment qu'on a trop mis l'accent aussi sur l'éducation de base tout en n'ayant pas une vision globale de l'éducation. Alors, est-ce que c'est une réalité, vous, en tant que chercheur, ce sont des aspects sur lesquels vous avez travaillé? Si, ça ressort dans nos travaux parce que jusqu'aux années 80-90, vous avez cette préférence qui est faite à l'enseignement de base. Ça répondait aussi à une... je ne sais pas, c'est-à-dire que au plan international, les bailleurs de fonds estimaient que l'éducation de base devait être suffisante pour des pays comme le Burkina Faso. Donc, on a mis l'accent sur le développement de l'éducation de base. Qui correspond au cycle primaire en quelque sorte. Oui, à l'époque c'était le cycle primaire. Aujourd'hui la notion d'éducation de base a été étendue. Jusqu'au collège. Mais dans le temps, c'était essentiellement l'enseignement primaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des ressources, suffisamment de ressources pour développer l'enseignement primaire. Et on a très peu réfléchi justement à la suite du système. Ce qui veut dire que à partir d'un certain moment donné, on s'est retrouvé devant un gouffre. Bon, en tout cas, une situation qu'on n'avait pas examinée à fond. Et ça posait le problème au niveau du collège. Il a fallu effectivement convaincre les partenaires techniques et financiers que non, l'éducation était un tout et que il ne servait à rien de soutenir l'éducation des enfants jusqu'au CM2 parce que le CM2 ne permettait pas aux enfants d'avoir des acquisitions solides. Donc, les réflexions ont conduit justement à l'extension de cette éducation de base-là jusqu'à la fin donc, du collège. Et aujourd'hui, quand on vous parle de l'éducation de base, ça va jusque donc à la classe de 3e. Ça permet quand même de sortir des produits et même si réalité, on laisse encore de côté l'enseignement supérieur. Quand même, je fais observer qu'il y a une grande évolution parce qu'il n'y a plus ce blocage là. Ce n'est plus hermétiquement fermé. Vous avez
des partenaires techniques qui acceptent de financer l'enseignement secondaire, qu'il soit général ou technique, mais également l'enseignement supérieur. De plus en plus, il y a des partenaires qui s'y intéressent, parce qu'on s'est dit qu'il faut, à partir par exemple de l'enseignement secondaire, vous avez besoin de l'enseignement supérieur pour sortir quand même les enseignants même qui devraient couvrir ce secteur-là. Donc, il y a une certaine flexibilité aujourd'hui et les partenaires techniques et financiers sont assez sensibles donc, au financement du reste du système. Ce n'est pas facile, mais quand même, ce n'est plus comme avant où on avait une sorte de limite vraiment définie. Ah non, on se limite à l'éducation de base et voilà. Alors, qui parle de l'éducation, il y a aussi la place du privé. Dans le contexte burkinabé, le privé qui prend une place importante. Souvent, pour illustrer, on prend l'exemple de Ouagadougou. Il faut remonter à des décennies l'État burkinabé n'a plus construit d'école publique. Ce n'est que le privé. Non, en fait, la part du privé dans l'enseignement, il faut reconnaître que ça répond aussi à une certaine dynamique. Avec l'accroissement de nos populations, il faut vous dire que l'État ne se sent pas capable, effectivement, d'offrir l'éducation à tous les enfants. Est-ce que l'État fait des efforts pour au moins jouer son rôle, que de laisser ce rôle régalien au privé? Je ne partirai pas sur ce point-là, parce que c'est prévu par la loi d'orientation de l'éducation. L'État peut créer des écoles. Les promoteurs privés peuvent créer des écoles. Et les collectivités peuvent créer des écoles. Donc, moi, je crois que c'est une application même de nos textes. Alors, que le privé prenne le pas dans des villes comme Ouagadougou et Popo-Dioulasso, ça rentre dans la dynamique normale des choses. Qui envoie son enfant dans les écoles privées? Est-ce que les parents ont le choix quand dans les établissements publics, il n'y a plus de place, il y a des effectifs pléthoriques, une centaine d'élèves dans des classes au secondaire, par exemple? Non, en réalité, l'explosion, en fait, des initiatives privées dans l'éducation, moi je ne vois pas cette explosion comme en fait une insuffisance de l'État. Je crois plutôt que ça répond à la dynamique qui est là. L'État met en place vraiment le minimum et quand vous voyez toutes les possibilités qui sont offertes au privé, quelque part aussi ça ouvre les portes à l'emploi. Et ça permet effectivement, si c'est bien fait, de créer une certaine simulation entre le public et le privé. Parfois, ça se passe très, très bien. Et vous avez, de cette concurrence-là, va ressortir effectivement des produits très compétitifs. Alors, vous qui êtes enseignant, historien de l'éducation, à quand remontent les premières écoles privées dans l'histoire postcoloniale? Alors, dans l'histoire postcoloniale, effectivement, il faut situer ça autour des années à la fin du régime de Maurice Yamego. Il a fallu, à un moment donné, à travers le plan, la planification qui a été faite, il a fallu quand même trouver des stratégies pour absorber effectivement les sortants du primaire qui commençaient à être nombreux. Autour des années 67-68, on a enregistré l'apparition des premiers collèges, en tout cas, privés. Ça a commencé par le collège? En fait, le privé, si vous voulez parler du privé en tant que tel, le privé trouve même sa place dans le système colonial. Parce que les premières écoles, certaines étaient des écoles privées. Et les premiers collèges privés ont été créés autour de 1925. Mais, effectivement, quand vous prenez le développement de l'enseignement privé tel que nous le connaissons aujourd'hui, on les situe autour des années 67-68. Voilà. Des initiatives privées, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, il était très difficile à un fondateur de trouver des ressources pour effectivement réaliser ces infrastructures, et à l'époque qui pouvait payer, vous voyez, c'est pour ça que les initiatives privées à leur début étaient assurées essentiellement par des congrégations religieuses, vous voyez,
Mais les établissements privés, par exemple du secondaire, privés laïcs, on les situe autour donc de 67-68. Et avec le temps, on a vu que c'était une activité qui pouvait rapporter et ça a attiré beaucoup de promoteurs. Aujourd'hui, la disproportion entre l'enseignement public et l'enseignement privé au niveau de la ville de Ouaga est effrayante. Mais, comme je l'ai déjà dit, ça répond à une certaine dynamique. Et plus l'État va mettre en place un dispositif pour mieux contrôler et mieux encadrer ces établissements privés, et plus le système va gagner en efficacité. Alors, on va parler un peu du contenu, le programme officiel au niveau des écoles burkinabées. Quelle est la lecture que vous faites de ce contenu-là? Est-ce qu'au fil des ans, ça a évolué? Est-ce qu'on a tenu compte un peu du contexte burkinabé, des savoirs locaux? Est-ce que, quel est le contenu, la coloration des programmes scolaires burkinabés? Alors, il faut se dire qu'actuellement, nous sommes engagés dans une réforme éducative au niveau du Burkina. Une réforme qui prend en compte pratiquement tout le système éducatif. C'est vrai que dans un premier temps, c'est d'abord au niveau donc de l'enseignement primaire que les programmes sont testés. Mais c'est pour vous dire que ce qui est en marche actuellement répond beaucoup plus aux attentes des populations que les programmes, par exemple, que nous ont légués les indépendances. Mais pour certains, ça n'a pas trop évolué, parce qu'on a toujours, surtout après le primaire, vous avez un contenu étranger où le maximum, en fait, vient de l'extérieur dans tous les cas. Non, il ne faut pas concevoir ça comme ça, parce que j'ai vu, il y a en fait une relecture de tous ces programmes-là. Depuis le CP, depuis même la maternelle, jusque en classe de terminale, vous avez des programmes qui sont actuellement relus et qui n'attendent qu'à être donc expérimentés et appliqués. Ce n'est toujours pas le cas. Non, pour le primaire, oui. Je vous ai dit que c'est progressif. En réalité, la critique facile qui est faite à ces programmes ne rend pas fidèlement compte de la réalité. Quelle est la réalité fidèle? La réalité ici est qu'il faut partir effectivement des réalités locales. Hein? Apprendre à l'enfant à connaître son milieu, lui ouvrir aussi un univers qui lui permet de comprendre qu'il ne vit pas seul et que son pays ne vit pas seul. Il y a effectivement la prise en compte de toutes ces organisations régionales et continentales et avec, à la fin, une ouverture sur le monde. Vous voyez? Et ça, cette logique est respectée dans les programmes. Maintenant, quand vous prenez le programme d'une classe donnée et vous dites « Ah, on étudie que, par exemple, l'Europe, on étudie... » Mais si, ça participe à un tout. Donc, il faut éviter d'isoler, effectivement, les programmes pour les analyser. Vous prenez un bon élève qui a une bonne scolarisation, à la fin de son cursus, il est censé maîtriser d'abord son environnement, ensuite tout ce qui l'entoure et également le monde. Donc, je crois que cette démarche-là est vraiment respectée. La démarche est respectée. Maintenant, dans la mise en œuvre, justement, de ces programmes, il y a des difficultés qui sont là. Les programmes sont là, mais ceux qui sont, par exemple, investis donc de l'application de ces programmes n'ont pas toujours les formations donc souhaité. Je vais parler des enseignants. Il faut effectivement qu'on mette beaucoup plus l'accent sur la formation des enseignants. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui sont dépassés. Et parfois, il y a des élèves même qui maîtrisent mieux certains sujets que leurs professeurs. Pourquoi? Parce que les enfants ont plus d'ouverture que ces enseignants-là. Non, ça ne devrait pas être le cas. Donc, les programmes étant là, il faut songer à renforcer les capacités pour faciliter effectivement la transmission des connaissances. Voilà.
Alors, Maxime Compaoré, un mot sur la place de langue nationale. C'est une question qui revient. Les gens estiment qu'il est temps maintenant de revenir parce qu'on apprend plus facilement dans nos propres langues que la langue du colonisateur. Et du reste, il y a eu des expériences avec les écoles satellites où apparemment les résultats sont probants. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette généralisation de l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif burkinabé? Alors, je crois qu'il n'y a pas que ces écoles satellites. Vous avez aujourd'hui des expériences qui sont là, avec des résultats plus que convaincants. Vous prenez les écoles bilingues, qui sont là, et qui proposent des cursus, un cheminement hein, qui permet à l'enfant d'apprendre, de commencer l'école par la langue qu'il maîtrise le plus. Et ça, les recherches, les résultats de recherche prouvent que l'enfant apprend très rapidement dans sa langue. Et aujourd'hui, ce que nous déplorons, justement, c'est que malgré les résultats positifs donc de ces expériences, de ces innovations que j'évoque, on traîne toujours le pas, effectivement, à aller vers une certaine généralisation de ces expériences-là. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais on devrait les affronter. Quel type de difficultés, M. Compaoré? Des difficultés sont là, c'est-à-dire qu'il y a, la résistance par rapport à l'ancien système. Facilement, on vous dira, mais vous n'avez pas été vous n'avez pas éduqué dans ces langues-là. Pourquoi vous voulez que nos enfants soient éduqués dans ces langues? Vous voyez? Alors que c'est pas du tout la même chose. L'école que nous avons connue n'avait pas cette prise en compte des langues nationales. Aujourd'hui, c'est éprouvé. Hein? C'est-à-dire qu'on a la certitude que les enfants apprennent mieux dans ça. Mais vous avez des parents qui sont complètement déconnectés. Pour eux, si c'est pour apprendre en langue nationale, j'enlève mon enfant, je l'amène ailleurs. Est-ce que ça ne soulève pas aussi d'autres préoccupations, par exemple la multiplicité des langues, le fait que des minorités estiment qu'on va étouffer aussi leur langue? J'allais est-ce que ce ne sont pas des questions de fond aussi qui sont posées? J'allais en venir, mais tout ça, ce sont des questions politiques. C'est-à-dire qu'il faut, pour une généralisation, par exemple, de la prise en compte des langues nationales, il faut que l'État définisse une bonne politique linguistique, ce qui n'existe pas aujourd'hui. À travers la définition de cette politique linguistique, l'État va donner les contours et il reviendra maintenant aux praticiens de prendre cela en compte dans leur quotidien. Vous voyez? Donc la multiplicité des langues, oui, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Hein? Donc, tout est une question d'organisation et je crois qu'en s'y mettant sérieusement, notre système pourra gagner effectivement. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les initiatives qui sont là, vous avez des enfants qui quittent la classe de CM2 avec même le certificat d'études primaires, mais qui n'arrivent même pas à construire une ou deux bonnes phrases. Ce n'est pas normal. Alors qu'un enfant qui est en première année d'une école bilingue, à la fin de sa première année, il formule aisément des phrases dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Vous voyez, un tel enfant, par exemple, qui arrive en cinquième année, puisque l'école bilingue, effectivement, arrive à capturer tout le programme du primaire en 5 ans au lieu de 6 ans. Cet enfant, quand vous le prenez, effectivement, il est à l'aise dans la langue qu'il a choisie. C'est vrai que le système aussi, comme je vous l'ai dit, hein, il a besoin d'être encore affiné parce que, bon, la question du renforcement de la langue en français et tout ça aussi est là. Mais je crois que le système a donné suffisamment de preuves d'efficacité.
Alors, un mot sur cette actualité, cette semaine, le 5 décembre prochain, c'est la date du nouveau rendez-vous que donne la justice française pour se prononcer sur l'extradition de François Compaoré, soupçonné dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et trois de ses compagnons d'infortune le 13 décembre 1998. François Compaoré a été interpellé en octobre 2017 par la police de la France en vertu d'un mandat d'arrêt international émis contre l'ancien conseiller spécial de l'ex... contre François Compaoré, bien sûr. Et cette fois-ci, l'avocat général au niveau de la justice française s'est prononcé en faveur de l'extradition de François Compaoré. Déjà, grosso modo, sur cette affaire, quel est votre commentaire, M. Compaoré? Alors, les questions de justice, généralement, je m'en méfie. Parce que la justice est complètement un domaine spécifique. Et généralement, les populations sont très, très pressées devant certains événements. Mon point de vue là-dessus est que, effectivement, la justice va prendre la décision qui s'impose. Il faudra que les gens soient suffisamment patients. Parce que à cette étape, c'est toujours une suspicion qui est là. Il n'y a pas de... Ce n'est pas quelque chose qui est avéré. Et il faut faire confiance aux institutions. C'est beaucoup plus cet aspect que je vois. On a beau être pressé, ça prendra le temps que ça prendra parce que la justice est autonome, vous voyez. Donc, je suis ça également de près comme tout le monde, mais je crois qu'il faut être, faut avoir confiance en la justice. C'est vraiment le mot que je peux dire. Avoir confiance en la justice et puis attendre et en se disant effectivement que nous aurons une décision de justice qui va faire la part des choses. Maxime Compaoré, François Compaoré, on est tenté de vous poser la question, même si ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Ben, y a des milliers de Compaoré au Burkina. Donc, c'est pour cela que nous vous posons la question, pour avoir la certitude que les auditeurs aussi se posent peut-être la question. Ben oui, effectivement, je ne peux pas nier ce lien de parenté qui est là. Et qui, effectivement, bon, ben, écoutez, chacun a une souche quelque part. Donc, il n'y a pas de souci. Effectivement, je confirme que je suis de la même localité, mais ça ne m'empêche pas, effectivement, d'avoir mon point de vue sur le sujet. L'invité de la semaine s'achève. Maxime Compaoré était notre invité. Il est maître de recherche à l'Institut des sciences de société et l'Institut du Centre national de recherche scientifique et technologique. Il enseigne également l'histoire de l'éducation dans les universités publiques telles que celle de Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, Norbert Zongo de Kourougou. Maxime Compaoré est par ailleurs le coordinateur de l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso, AREB. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur l'école burkinabé et il a publié sous sa direction et celle de Félix Compaoré, Marie-France Lange et Marc Pilon l'ouvrage intitulé « La question éducative au Burkina Faso, regard pluriel ». Maxime Compaoré, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir effectué le déplacement dans les locaux de Radio Liberté. Ok, c'est moi qui vous remercie. Tiona Sanogo est à la technique. Présentation Atiana Serge Houlon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la voie citoyenne.